Bonjour les amis de Fred de Mazer et bienvenue pour ce live. Alors comme prévu, je vous l'avais annoncé lors de la dernière vidéo, je ferai un petit live de 10 minutes, un quart d'heure pour vous parler des projets qui vont arriver, c'est-à-dire ce que je vais aller filmer pour vous et pour moi, bien sûr, puisque je suis quand même assez intéressé par ces sorties-là, vous vous en doutez. Alors, avant de commencer par vous parler de la sortie que j'ai prévu de faire dimanche tranquillement, il vous faut savoir que je suis, comme on dit maintenant à la mode, un cas contact. J'ai un proche collègue qui a attrapé le Covid, donc je dois m'auto-tester demain matin. Donc, pour l'instant, ma sortie est maintenue. Ça dépendra bien entendu du résultat. Ça vous en doutez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin car il y a hors de question que j'aille soit au travail vendredi pour contaminer les collègues, soit balader et contaminer des éventuelles personnes que je pourrais croiser. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant on peut parler de la sortie que j'ai prévue donc pour dimanche matin de bonne heure, hein, parce que je compte démarrer à 7h du matin sur place. Toujours pareil, pour pas être dérangé par les randonneurs et pour pas gêner les randonneurs avec la caméra. Enfin bon, vous connaissez ma façon de voir les choses. Alors nous allons, pour dimanche, faire cette découverte de salles sur l'Hers. Alors, cette découverte, je l'ai trouvée sur Visorando. Ils disent que la durée de marche c'est 1h15, qu'il y a 4 km 170, le dénivelé positif est de 25 mètres, le dénivelé négatif de 31 mètres. Le point le plus haut sera donc à 241 mètres et le point le plus bas à 212 mètres. La difficulté, c'est facile. Et ça, vous en doutez bien. Juste une petite question, petit rappel. Hein. Si vous voulez parler avec moi, c'est sur le chat. Regardez, j'ai fait une démonstration pour vous. N'hésitez pas à venir parler. Je sais que c'est un peu compliqué pour certaines personnes, mais ici, on ne juge pas, vous le savez. Moi, je suis cool, donc soyez vous-même comme moi, je suis moi-même. Voilà. Le retour, point de départ, oui, l'activité se fait à pied et la commune, donc c'est salle sur l'Hers. Alors, je vais essayer de vous montrer le plan, mais je ne vous garantis pas que ça fonctionne bien. Alors, attendez, voilà. Excusez-moi pour la chaise qui grince toujours. Donc, le départ se fera dans le village, je ne sais pas où j'ai le doigt, là, voilà, ici, dans le village, là. Et nous allons donc faire tout le tour jusqu'à ce petit lac ici et nous allons revenir après vers le village de Salles-sur-Lers de nouveau. Alors quand je dis nous, bien sûr c'est vous et moi, hein. Vous le comprenez, je serai seul pour cette randonnée. En plus 1h15, je pense que bon, techniquement je devrais pouvoir les tenir tout seul, mais voilà. Donc pour information, on va découvrir le village de Salles-sur-Lers et le lac de Régambert. Et nous allons donc traverser village et coteau du Lauragais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette sortie qui est prévue donc dimanche matin aux alentours 7h du matin pour être tranquille, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que j'espère, je croise les doigts, j'espère sincèrement que je ne serai pas positif et que je puisse faire cette randonnée. Sinon, ce sera reporté d'une semaine ou deux, on verra en fonction. Là, je vais réaliser bientôt le montage de l'été au domaine des oiseaux que j'ai filmé donc. Le week-end dernier, samedi dernier exactement. Et puis voilà quoi. Tout se passe plutôt bien. J'ai terminé le montage du film
Il y a quoi dans votre jardin neuf qui est déjà en ligne, mais qui ne sera visible que d'à partir de samedi 16 juillet à 18h. Comme d'habitude, ça, je ne change pas mes habitudes. Voilà, j'ai plus rien à rajouter. Ça aura été un live assez court. Généralement, ils seront aussi courts que cela. Le premier était un peu plus explicatif. Les autres à venir seront un peu plus courts puisque je vais juste vous présenter la feuille de parcours. Et puis voilà quoi. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de bitume. Mais écoutez, on va faire attention parce que je vois qu'à un moment donné, il y a écrit chemin herbé à droite, donc au moins on aura de l'herbe. On verra l'église Saint-Mathieu. Voilà. Le départ se fera donc à la place Marengo, devant l'église Saint-Mathieu. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je m'auto-teste donc demain matin, jeudi 14 juillet, ce qui est très pratique parce que si l'auto-test est positif, je dois attendre le vendredi pour faire le test PCR, que ce soit en labo ou en pharmacie. Mais enfin, bon, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les aléas de la maladie, si c'est le cas. Sinon, dimanche... Vous verrez un couillon avec une caméra, un sac à dos et un chapeau australien en train de faire une randonnée à Salles sur l'Hers. Merci les amis de votre passage pour cette vidéo, que ce soit ici sur Twitch ou alors sur YouTube. Prenez soin de vous, c'est très important ça. Et puis prenez soin des autres. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.